On est reparti pour la fin de cette île. Ouais, petite visite. Allez, petite visite rapide. De toute façon, après, on va être le long des routes, donc on va les voir. Donc, on arrive donc ici. Je rappelle, c'est une île volante tropicale. Donc, on est sur une île volante, quoi. Voilà. Hein. Avec donc une zone tropicale Asie, une zone tropicale Afrique et une zone tropicale Amérique du Sud. D'accord? On entre pas ici. Ah, parce qu'on pouvait pas rejoindre, je crois, ici. On entre ici. Je parle des packs réalisés avec des animaux nocturnes. Il y en a énormément quand le pack crépuscule est sorti. Ah, d'accord, ok. Le compteur de sub est bugué. Le compteur de sub est pas bugué. C'est juste qu'il y a eu des dons de sub hier et j'ai oublié de changer le truc. Merci à vous d'ailleurs. On est à combien? 79? Eh, il en manque un pour 80. Tac. Une fois qu'on aura fini cette semaine, on fera. Faudra qu'on fasse la semaine, enfin le live 12h Crusader Kings aussi. Et après, on sera pas mal. Faudra que je vous fasse des. Que je vous offre des cadeaux aussi. Je pense que je vous offrirai Planet Zoo ce mois-ci. Parce que je dois vous offrir des jeux. Donc je pense que je vous offrirai Planet Zoo ou DLC en fonction. Je vais réfléchir à un truc. Voir les deux. Alors, donc on arrive ici avec un enclos à gauche qui est l'enclos. Je reste en pause pour pas que ça bug. Enclos tapir, loutre cendré et orang-outan. Donc un joli enclos, ma foi fort sympathique. C'est le premier enclos qu'on a fait avec des cascades, bien sûr. Très sympathique. On l'aime bien. Ensuite, ici, on part sur la droite et on arrive dans la zone papillon vivarium. Avec ici des papillons. Où sont les papillons? On a les papillons ici. Tac. Plein de papillons. Et du coup, les vivariums ici. Voilà. Ensuite, quand vous sortez ici, vous irez à droite vers la prochaine île. Enfin, une prochaine île qui ira là-bas. Et ici, vous avez l'enclos Binturon et Ours Malé. Donc on voit les binturons là-bas dans le fond. Et un ours ici, avec une belle rivière. On est assez content. Puis on continue d'avancer par là. Et on arrive. C'est vrai qu'ici, ils sont mouillés, les gens. C'est vrai, c'est vrai. Et on arrive ici dans la zone, du coup, Afrique. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'entrée pour arriver dans la zone Afrique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tropical Afrique avec l'enclos gorille. Avec des gorilles qui peuvent aller... Regardez tout le groupe de gorilles qui marche ici, là. Oh, les gorilles. Ils sont beaux. On a un petit bug ici, là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On n'a rien vu. Les gorilles qui peuvent aller, du coup, dans les arbres. Et ça, ça fait plaisir. Ils ont de quoi escalader. C'était, on va dire, le cœur de cet enclos. Le reste, je suis pas ultra fan. Je vous le dis. De la déco de l'enclos. Même si ça va encore, quoi. Mais j'aime bien toute cette escalade qu'on a fait. Merci beaucoup, Bougeon d'or pour le Prime. Merci à toi pour ton soutien. Merci beaucoup. Je parlais des parcs réalisés avec des animaux nocturnes. Il y en a énormément quand le pack crépuscule est sorti. Ça marche. Oui, bah, j'avais compris, non? J'avais pas compris? Il y a 3 giveaways si je dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, je ferai ça. J'ai dû le désinstaller, mon PC n'est pas assez performant. Pour Planet Zoo? Même en qualité graphique en dessous? Et bonjour à toi, Bougeon d'or, pardon. Merci beaucoup pour le Prime. Merci à toi. Il te reste un mur à l'entrée de l'enclos. Gorille que tu n'as pas caché. Ouais, mais ici, là, mais c'est le même mur que là. Toi, c'est les entrées employées. Mais on pourrait les cacher. De toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'on va, on va essayer de faire. On va profiter, de toute façon. Puis, arrivé ici, du coup, on sort de cet enclos et on arrive dans la zone Amérique du Sud, tropicale, avec, donc, une nouvelle entrée sortie, hein, vers une future île où on passe sous un temple construit par mes propres soins, à peu près.
approximativement par mes propres soins. Ou du coup, bon, voilà, on l'arrive et c'est sympathique. Voilà. Sur PC portable. Aïe, aïe, aïe. Non, tu as relié les anciens messages, je les ai pas repostés. Ah, d'accord, okay, pardon. Ok. Et du coup, ici, boum! Un premier enclos. Oh, qu'est-ce qu'on a? L'enclos qu'on a fait hier. Le capybara. Le loup à crinière. Et le tabaloir. Le tabaloir. Avec un enclos. J'avais un peu peur quand j'ai vu que le loup à crinière ne voulait pas d'une grosse quantité d'arbres. Mais au final, j'aime bien. Il est sympa. Avec cette porte-là, cachée dans cette structure. Hop, on rentre. On a remis le pont qui est là, pour que les employés puissent venir au milieu. Et on a plein de petits capybaras. Qui sont posés tranquillou. Le petit capybara qui fait du ronron. Il fait du ronron. Bonjour Zenarn, comment vas-tu? Meilleurs vœux à tous. Comment t'as... merci beaucoup, meilleurs vœux aussi du coup, Boulonda. Je me répète là, non? Je suis perdu dans ce que je ne sais plus ce qui se passe. On a mis 11 capybaras. On a du coup les loups à crinière. Qu'est-ce que c'est que ça? On a du coup les loups à crinière aussi. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, on a un tabaloir. En train à moitié de dormir dans l'eau. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le petit tabaloir. Et le loup à crinière qui est très beau. J'aime bien le loup à crinière. J'aime bien le loup à crinière. Il est beau. Oui, t'es beau, mon pépère. Très, très beau. Ensuite, ici, on arrive. Hop, on grimpote de ce côté-ci. Et on peut observer l'enclos jaguar. L'enclos jaguar, où en montant comme ça, ça nous permet d'avoir une vue sur le dessus et sur l'ensemble de l'île. Et sur les futures îles aussi. Hein. Bon, non, mais... on passe derrière la cascade. Oh, on voit un jaguar là-bas en bas. J'aime bien cet enclos. J'aime bien cet enclos. On a réussi à faire cette route là, du coup on est assez content aussi. Sans que ça paraisse complètement bizarre. Et un enclos du coup... Oula, oh bah t'as mal à patoune ou quoi? Pression qui boite. Waouh, c'était... Ça c'était beau hein. Tu chasses? Non, tu chasses pas. Dommage. Avec cet enclos, du coup, ruine Maya, on va dire ça comme ça. Très bien, j'aime bien. J'aime bien cet enclos. Avec cette structure pour cacher le mur. Voilà, voilà. Il est géant. Qui est-ce qui est géant? Le loup à crinière? Il est grand, le loup à crinière, je suis d'accord. Il est haut sur pattes. Donc là, l'objectif, c'est de mettre des lampadaires. Des lampadaires pour que de nuit ça soit joli. Et ouais, on va s'occuper d'abord de la zone Asie. On va mettre les lampadaires. Normalement, les bancs et poubelles, je l'avais mis. Construction. Décor. Non, c'est dans le service. Chercher. Là. Asie. Thème. Asie. Hop. Poubelle. Faut qu'on fasse de la déco là. C'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui de toute façon. On met une poubelle là. Et j'en mets une autre ici. Voilà. J'en mets une là. J'en mets une là à la sortie du pont. J'en mets une là. Et j'en mets une là. Voilà. Au niveau quantité de poubelles, normalement, il n'y a pas de problème. Un petit banc sur le pont. En vrai, ça peut être agréable. Hein. Deux petits bancs sur le pont. De chaque côté. Ça peut être agréable de s'y poser. J'aime bien. Tu feras un décor pour l'entrée vers l'enclos gris ou pas? Bah, je vais voir du coup. Voilà, on accumule les bancs, c'est très bien.
pense qu'au niveau bon, on est quand même plutôt pas mal déjà. Ah ouais, ça va aller vite. Hein. Voilà. Je vais mettre là comme ça. Voilà. Je pense qu'au niveau banc poubelle, on est bon. Du coup, on va mettre... on va mettre lampadaire. C'est où, c'est là? Lampadaire. Thème. Asie. Comme ça. C'est assorti aux couleurs du pont. Ouais, ça fait joli. J'aime bien. Alors, on avait mis... Je pense qu'on va le faire de nuit, ça. Poser les lampadaires. Ce sera probablement mieux. Ah non, avant de faire les lampadaires, parce que ça va peut-être bloquer la vue. Faut que je fasse les points de d'info. Les points d'info sur les espèces. Parce que là, on a mis ça. Et on n'a pas d'éducation sur les espèces. Ah mais attendez, j'ai oublié de mettre là d'ailleurs. Elle est bon là. On va être sûr que ça vienne pas salir tout ce qu'on a ici. Je vais pas mettre deux bancs dans le coin là parce que ça fait pas assez large. Ou alors, est-ce qu'on a envie de s'asseoir dans les papillons? Ouais, en vrai peut-être un peu. En vrai peut-être un peu quand même. Allez, vas-y, je mets des bancs. Et pareil ici, tu vois, il faut mettre un banc devant, pourquoi? Parce que t'as forcément des petits qui vont passer du temps à chercher et accompagnés par leurs grands-parents qui ont un petit peu mal aux genoux parce que ça fait un moment qu'ils marchent. Ils peuvent s'asseoir derrière pour attendre. Hein, c'est important. Faut penser à tout le monde. C'est important. Du coup, les points d'info. Parce qu'on avait mis ça. Mais du coup, c'est pas une info sur... sur les espèces. Alors on a de la place là pour en mettre. Est-ce qu'on peut prendre cette structure là et la multiplier en vrai? Ah mais si, je l'avais mis là, c'est vrai. Ah si, j'avais mis ici, c'est vrai. Ce qui est pas si mal. Après on pourrait... Faut pas copier. Oh... On pourrait les mettre là-bas. Je reviens, je viens d'avoir la notification de ta nouvelle vidéo. Ça marche à l'LDK, merci beaucoup. Est-ce qu'on met là ou ça bloque la vue? Ouais, ça bloque quand même vachement la vue. Hein. Je pense que je vais les mettre là. Comme ça, on a l'info. Ouais, c'est bien. Il faut augmenter... la connaissance, le savoir des gens. Sur les différentes espèces. Est-ce que ça va passer ? En vrai, j'aurais pu faire ça. C'est pas trop gênant. Hop, ici, orang-outan.
Et... C'est tapir, hein. Tapir. T'as trouvé sur le workshop ou c'est toi qui l'as créé? Non, c'est workshop. C'est workshop. Les cales le banc, les mecs qui s'assoient vont être devant les écrans. Pas grave. Ça me gêne pas. Ouais, moi un peu quand même. Et on a deux bancs là? C'est un peu trop ça. Hop. Ok, ça c'est pas mal. Et je vais du coup reprendre un truc ici là. Que je vais copier. Et qu'on va les mettre ici. Presque l'associer à la barrière. Oh, ça me surprend, j'ai l'impression que la barrière est plus petite. Je comprends pas. Attends, mais la barrière, ils font pas les mêmes tailles là, les barrières? On en a mis deux. Et ici, on va changer. On va mettre... restauration écologique. Surexploitation. Partage des terres économiques. Voilà. Tu as plus les soirs sur Twitch? Non. Je live pas... Enfin, non. Neko, comment vas-tu? Je live le soir sur Twitch uniquement le vendredi. Ok, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Par contre, ici, on n'a pas d'infos. Et c'est quand même assez grand. Alors là, il y a l'info ici. Donc là, on est bon. Par contre, on n'a pas d'infos sur les papillons. Le truc, c'est que c'est massif, quoi. La structure. Donc, il faudrait presque mettre juste une mini-structure... Enfin, un mini-truc d'info. On a ça. Un mini-truc d'information. Ouais, on va mettre ça, hein. Je pense que je vais mettre ça. Ça. Voilà. Et du coup, dedans, morpho bleu, monarque, et Macao. Très bien. Au moins, on a les informations sur les espèces aussi dans, là-dedans. Faut changer le compteur de sub. Ah, bah, on est arrivé à 80, du coup, merci beaucoup. Effectivement, on va monter ça. Merci à vous. 85. Hop, hop. Elles sont bien ces petites bonnes bornes d'info. Ouais, j'aime bien aussi. T'as pas besoin forcément de décorer... j'arrive pas à cliquer. Autour.
Elles sont assez neutres. Et passe-partout, je trouve. C'est pas mal. Bon, ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on mette deux panneaux. On pourrait mettre un double panneau ici. Pour l'ours mallet et le peinturon. Comme ici, de toute façon, on voit rien. C'est pas gênant si ça gêne. Enfin, ça gênera pas, quoi. Hop. Ça gêne pas, c'est pas choquant. Ici, du coup, on a ours mallet et binturon. Et je vais voir s'il y a moyen. Ah, merde. Je vais voir s'il y a moyen de le copier aussi de l'autre côté du parc, enfin de l'enclos. Ah, le truc, c'est que ça va être. On aurait presque pu le mettre là, mais. Parce que là, ça va gêner la vue. Et si je le mets là, c'est un peu bizarre parce qu'on va avoir l'impression que c'est pour les espèces qui sont là. Alors que là, c'est pas choquant, tu vois. Tu es en train de regarder, tu regardes derrière. C'est pas si choquant. Sinon, j'en mets pas. Bonjour Shadowman, comment vas-tu? Sinon j'en mets pas de ce côté-ci, mais c'est un peu dommage. Ça va bien et toi? Ben, je vais bien, merci beaucoup. Meilleur vœu! Un plus petit type de déforestation devant les tribunes. Ce serait pas si choquant ici. À la limite, on pourrait presque en mettre un là et un ici et supprimer ce rocher, quoi. Ah ouais, comme ça, les gens, ils ont vraiment pile la vue. Non, c'est pas bien. Re-horizon. Moi, je pense que je vais déjà mettre celui-là ici. Ah, ou alors... ah, attends. Il y a peut-être moyen... Si je mets... Aligné sur la surface... Je peux peut-être les superposer. Oh, c'est assez inattendu que ça soit pas à droite. Hein, mais... Attendez, je vais essayer. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ça. Ça passe. Ça passe. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Ça passe, là. Plutôt chouette, là.
Ouais, c'est pas mal. Bien vu pour la petite construction. Ok. Donc ça, je valide. Et ici, c'est vrai qu'on aurait la place pour faire une entrée un peu africaine. On verra. Je vais poser les lampadaires déjà. Lampadaire. Il ne manque rien. Ouais, ça, je pourrais en poser un. Je pourrais en poser un là. À l'entrée de cette zone. Les pieds dans l'eau, mais c'est pas visible. Et comme ça permet d'avoir un. Une info, attention, messieurs, dames. Vous entrez dans une zone ici où il faut faire attention à de préserver. Mettre le déclin des abeilles. J'aime bien le côté la nature reprend ses droits dans les pieds du panneau. Ouais, moi aussi. Mais de toute façon, ici, je mettrai des fleurs aussi. Donc, pareil là. Juste que je le fasse. Ça peut être sympa, une nouvelle île océan ou lac. Mais il y aura une île. Il y aura 5 îles pour chaque région. Mais dans les îles, il y aura en fonction. Alors là, en tropical, on n'avait pas l'espèce qui va dans l'eau. Réellement, tu vois. Mais quand on mettra phoque, on mettra une zone d'eau, quoi. Et du coup, on va faire pareil, mais mettre de l'autre côté. Est-ce qu'on a la place? On pourrait le mettre... On aurait presque pu le mettre ici. J'ai presque envie d'en mettre un de chaque côté, quoi. De supprimer la petite lumière, là. Comme ça pourrait presque faire une entrée. Je suis pas sûr. On va voir. Non, pas fan. Non. Trop. Trop. Sinon j'en mets pas. À droite c'est bien. Tu mets pas les haut-parleurs? Ah c'est vrai qu'il y a des haut-parleurs aussi maintenant. Enfin maintenant, ça fait longtemps, mais... C'est vrai qu'il y a des haut-parleurs. Merci beaucoup LLDK. Il n'y a pas de requin dans le jeu, non. C'est vrai qu'il y a des haut-parleurs. Oh mais le haut-parleur c'était une misère. Ils l'ont changé ou pas? Non, je suis pas fan des haut-parleurs. Je suis pas fan des haut-parleurs. De toute façon, en vrai, personnellement, je vais dans un zoo, j'ai envie d'entendre la nature et les animaux, j'ai pas envie d'entendre constamment des gens me dire « Alors la loutre cendrée, espèce à plumes volante de type aquatique. » Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y aurait une option
T'arrives ici, t'appuies sur un bouton et tu peux entendre localement. Pourquoi pas? Mais le haut-parleur, j'aime bien. Surtout au paradis des animaux, c'est vrai. En plus. En plus. Très bon argument. Non, mais de toute façon, je suis en bac à sable. L'éducation, c'est sûr qu'on devrait mettre... des haut-parleurs, mais... on n'est pas en bac à sable pour s'embêter avec ça. On va passer deux nuits. On va enlever l'alignement sur la surface. Ah, alors la question c'est, est-ce que je mets des grands lampadaires? Ou est-ce que je mets les petits posés comme ça? T'as les points d'activité si tu veux, où les gens appuient justement pour connaître le cri de tel animal, etc. Il y en a, c'est juste des bruits. Alors attends, des points d'activité. Service. Genre éducation. Ah ouais, mais ça, mais elles sont moches aussi. On dirait des trucs pour enfants, quoi. Yen, mais pourquoi il y a que ça en plus? C'est nul ça. Comment on change les espaces? Pourquoi il n'y a pas tout? On n'en met pas. On n'est pas là. Eh, de toute façon, les gens sont morts. Hein. C'est pas grave s'ils restent cons. On n'est pas là pour ça. Hein. Je vais mettre des petites comme ça, moi, je pense. Faut attendre une match de Planet Zoo pour mettre toutes les espèces. Ah, ils ont fait les choses à moitié. Bravo! Bravo! Ils sont morts, j'avais oublié. Monsieur dame, pardon, excusez-moi, ça me gêne, là. Vous passez devant, là. Au éclairage auto. Je pense que comme ça, c'est pas si mal, moi. Non? Vous en pensez quoi? Je les lève pour mettre hauteur lampadaire? Ou je les pose comme ça? Parce qu'après, hauteur lampadaire, ça peut faire vraiment sympa. Tu vois, ça fait vraiment rue et tout. Mais en même temps... En même temps, comme ça peut être sympa aussi. Hein. Poser. C'est bien comme ça, je trouve. Bon, ça me va. Il bon, y a deux personnes qui ont dit, mais c'est tout ce qu'il faut. Autant lampadaire, car pour ce niveau-là, je prendrai les autres asiatiques. Attends, je pose celui-là et je regarde ce que c'est les autres asiatiques après. Moi, j'aime bien celle-là. C'est quoi les autres asiatiques? Ça! J'aime pas ça, moi. J'aime pas, moi, ça. J'aime pas, moi. Et ça, ça fait tout petit, et ça fait pas éclairage de rue, je trouve. Ça fait pas éclairage de rue principale. Ça, ça fait... Non, j'aime bien, moi, ça. Bon alors par contre, on va peut-être pas être très symétrique, ça va m'énerver. Donc on va essayer de faire un décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 entre chaque. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prochaine est là. Mais les grises, je les ai mises chez les, dans les vivariums. Perdu au milieu des plantes, je préfère.
Après, c'est vrai que là, du coup, bon, t'es un peu ébloui, mais t'as qu'à pas te mettre là. En vrai, personne t'a demandé d'observer les espèces ici. Hein. Tu te décales, hein. Tu mets trop d'emojis, ça fait deux fois. Attention, mon bot va s'énerver. Ah ouais, attention. Mais je vais essayer de rééquilibrer mon bot. Faut juste que j'y pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, à côté de la poubelle. Ça fera l'affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va peut-être pas être assez. Hein. J'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4. Ça se trouve, on aurait dû faire 5. C'est possible. On regrettera, c'est pas grave. Ouais, c'est pas très droit. Hey, c'est bon, ça va. Bonjour, Ishalol, comment vas-tu? C'est pas assez éclairé. C'est pas assez. Horizon, attention, hein. Il refait la même erreur. C'est pas plus vite, je crois. Ouais, c'est marqué en plus. Faire un effort, hein. C'est marqué. Tu vas finir bad. C'est quand même dommage. Peut-être plus tous les 5 en vrai. Je me calme, promis. Ah bah, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, le bot s'occupe de supprimer. Juste qu'il y a peut-être un moment où le bot il va dire bon c'est bon. J'en ai marre. Mais tu ne seras pas banni juste 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Attends mais ça là, pourquoi? Ouais, bref. 1, 2, 3, 4. 5. Donc devant madame qui lève le bras. Excusez-moi, messieurs, dames. Merci de changer l'ampoule. Petite question, je viens de regarder une vidéo Jurassic World, le jeu, il y a 4 ans. Tu avais le mauvais honneur et dans ta vidéo d'aujourd'hui, tu l'as plus, comment c'est possible? C'est le gène 2, c'est pas le 1. Moi j'ai le 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il est un peu... Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. J'espère que 5 c'est assez. Hein. Sinon, de toute façon, 5 on s'en contente quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est mon problème? Ah trop gentil. Merci beaucoup. Ishalol pour le Prime, tu acceptes les demandes de débat là? Ouais, le truc c'est que je vais jamais voir, hein, donc Donc voilà. Merci beaucoup à toi pour le Prime, Ishalol. Comme je banne quasiment jamais, je vais jamais voir qui a été ban et s'ils ont fait une excuse ou autre. Les rares fois où ça arrive, c'est que c'est vraiment mérité, vu à quel point je suis patient avec les gens. Les rares fois où ça arrive. 2, 4, 5. C'est que c'est plus que mérité. 1, 2, 3, 4, 5. Et le bot ban uniquement les... Enfin, définitivement uniquement les bots. Donc, si vous prenez un ban d'un bot,
De toute façon, c'est pas un vrai. Et si vous prenez un ban de Modo, définitif, c'est que vous l'avez cherché aussi. Après, après, tant pis. Désolé, comment ça? Ah non, mais t'inquiète, hein. C'est juste le bot supprime tes messages, hein. Y a pas de... Quand t'as commencé ta carrière de youtubeur, est-ce que tu as eu des commentaires de haters? Si oui, comment tu les gères? 2, 4, 5, attends. 2, 4, 5. J'ai eu des commentaires de... Non, j'ai pas vraiment eu de commentaires de haters. Et comment je les gère? Bah, comme dans la vie. Personne qui critique est une personne qui ne m'intéresse pas. Non, je peux pas dire comme ça parce que... Il y a des critiques constructives. 2, 4, 5. Et les gens que je connais pas et qui m'insultent, je les connais pas. Voilà. 2, 3, 4, 5. À partir du moment où je les connais pas, ils peuvent me trouver chiant, ils peuvent me trouver insupportable, ils peuvent me trouver con, ils peuvent me trouver tout ce qu'ils veulent. Moche. Beau. Beau, je comprendrais. Mais... Ne pas se préoccuper de la vie des gens que tu ne connais pas. Surtout si c'est négatif. Hein. Désolé. Ah mais... Qu'est-ce qui se passe, Horizon? Ça fait plusieurs jours que t'es là, y'a pas de problème, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Un, deux, trois, quatre, cinq. Si, si, si. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour répondre à ta question, si tu fais du contenu sur internet et que des gens t'insultent, est-ce que tu les connais? Oui. Bah, change de connaissance. Et si tu les connais pas... Voilà. Tu les connais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Faut partir du principe que de toute façon une personne qui va t'avoir insulté, si tu la connais pas bien sûr, si tu te prends la tête avec ça, sache qu'au moment où elle a fini d'écrire le truc d'insulte, elle ne pense plus à toi. Donc ne perds pas de temps à penser à elle. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après bon, c'est une mentalité hein. Moi, j'ai cette mentalité, donc... Critique est devenu un mot péjoratif, c'est dommage, parce qu'à la base, c'est pour les deux. Il y a des critiques péjoratives et amélioratives. Ouais, non, mais bien sûr. Complètement. C'est pour ça que j'ai corrigé, quoi. Tu es une très bonne personne, alors continue comme ça, tu es mon youtubeur préféré. Merci beaucoup, c'est gentil. 1, 2, 3, 4. Ah, bah là, c'est le pont. Ah ouais, mais du coup, c'est chiant parce que là, j'ai pas mis de route. Hein. Enfin, j'ai pas mis. Eh, bon, déjà, est-ce que ça va? C'est mieux. Ça serait peut-être mieux en l'air quand même. Hein. Oh, en plus, j'ai éclairé du côté de l'enclos. Quelle erreur! Bon, ça va, en vrai, ils ont pas accès. J'ai 6 en philosophie, j'ai rien compris. Quoi? Bon, allez, ça va. Hein. C'est bon, on l'a fait. Alors, du coup, on va poser un peu de déco vite fait ici, là. Nature. Ça s'y flotte. Biome. Tropical, continent, Asie. Hop. Hop. On prend un caillou. On pose un caillou. Ici. Hop. On en prend un deuxième. On le pose à côté. On en prend un troisième. On le pose à peu près pas loin. Voilà. Ensuite, on prend des plantes. Des plantes, pas un arbre trop grand. Parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour... planter ça, là. Hop. Voilà.
Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. Un petit sol pleureur ? Trop large. Après, on peut mettre un grand arbre. C'est vrai qu'on peut mettre un grand arbre. Parce que les grands arbres, ils ont des troncs fins. Du coup, ça peut passer. Genre le capotier. Hein. Ah, mais du coup, ils ont des racines immenses aussi. Hein. Non, ça fait bizarre. Bonjour Gaïana, comment vas-tu? Je peux insulter le bot? Non. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ta marinière, c'est beau, mais bon, c'est un peu large. Hein. Ça va pas passer. Un figuier? Eucalyptus. Tu vois, j'en ai jamais mis de ça. Le petit était pas mal, mais trop petit. Cocotier, j'ai pas envie. Peut-être mettre ça. Non. Ah. En vrai, pourquoi pas? C'est pas si choquant. C'est pas si choquant, on voit rien. Tu connais Eyar? Le streamer? Je connais de nom, ouais. Je sais qu'il a fait pas mal de Planet Zoo. Voilà, comme ça on a fait un peu de déco là derrière. C'est très bien. De toute façon, au pied, il va y avoir les plantes. Ok. Est-ce qu'on construit du coup une petite entrée Afrique ou pas du tout? Bonjour Alex, comment vas-tu? T'as pas mal au postérieur à tout le temps rester assis sur ta chaise? Bah, pourquoi tout le temps? Tu vis à mes côtés? Qui es-tu? Tu m'espionnes? Bonjour Franzini, comment vas-tu? Tout va très bien comme après une journée de boulot. Ah bon bah ça va alors. Si ça va après une journée de boulot, c'est que ça va. Est-ce que ça serait choquant? Si je mettais genre des murs un peu comme Asie là, pour cacher ce mur là, et que je mettais des murs un peu Afrique pour cacher ce mur là. Tu sais, en face à face. Est-ce qu'il n'y aurait pas un choc. Culturel? Ce serait bien une belle entrée. Ah, le truc, c'est que je manque un peu l'espace pour une belle. Tu vois. Que je peux pas me permettre de trop passer à l'avant. Attends, on va voir s'il y a une construction Afrique, entrée Afrique. Oh bah c'est simple mais efficace. C'est simple mais efficace. Un peu petit quoi. Choc culturel ou découverte du monde là. Bah c'est plus choc culturel dans le sens Tiens mais l'Afrique c'est en face de l'Asie. Tu vois ce que je veux dire?
Après, bon, évidemment, hein, découvert du monde, hein. C'est beau. Hein. Afrique du Nord entrée. Oh, c'est stylé. Oh. Putain, mais on peut faire aussi des... Mais c'est dans quel DLC, ça? Trop bien. Porte. Porte de Porsche. Je connais que Roy qui fait du Jurassic World, le jeu. Il y a des autres? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi dans le monde, même. Je suis le seul et l'unique. Ça sert à rien d'aller voir les autres. Afrique du Nord, Arche. Oh la vache, c'est trop stylé! Wouah! C'est quel DLC, ça? Le but, c'est de voyager à travers le monde en un rien de temps. Ouais, mais, ouais, non, oui, hein, mais complètement. Hein. Mais est-ce que ça serait pas bizarre? C'est plus ça, hein, quand je dis choc culturel. C'est un côté Asie, un côté Afrique, sans rien qui sépare les deux pour, tu sais... Ah, waouh. C'est DLC Afrique du Nord? Ah, il y a eu un DLC Afrique du Nord. Je sais pas. Ah ouais, c'est trop stylé. Waouh. Oh, c'est trop bien. Il y a quelle espèce en Afrique du Nord? Et sinon, on fait... sinon, on fait ça. Hein. On va élargir la porte. Hein. On va essayer d'adapter. Attends, entrée. Il y avait... Elle est où l'entrée que j'avais vue, là? Allez, on va élargir, c'est pas mal en vrai. Et ça fait plus Afrique où on peut croiser des gorilles, quoi. Ce serait original et beau à l'œil, je pense. Ah ouais? Bon, on va tenter la construction. D'une entrée Afrique. Thème. Afrique. Alors. Déjà, on va dupliquer ça. Boum. Ah. On mange pas les brasses, hein. Est-ce qu'il n'y a pas la version petite de ça? Bande décorative. Bande décorative. 3. 2. Ah, c'est fait. Ah. Bon, on peut mettre ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour... Ah bah ça. Ah mais c'est parce que j'ai pas ça. C'est bien ça. Oh c'est vachement bien. Mais c'est quelqu'un qui a fait cette feuille en fait. Oh, il y a du génie quand même. Hop, on voit pas que ça va pas au bout. Ou alors on voit pas que ça va que ça y a... ouais. Oh, c'est pas mal. J'aime bien. C'est validé. Je suis quand même devenu un sacré architecte hein, dans le jeu, hein, par contre. Hein. Non, mais... Il y a un talent assez inné qui est en train de naître. Par contre, ils auraient pu faire un effort pour faire un truc droit, mais bon. J'ai pas tout suivi, hein, mais quelle est cette... Quoi? Quelle est cette quoi? Attendez. Quelle est cette folie de vouloir mettre une entrée Afrique dans un biome Asie?
Non, c'est pas... On n'est plus dans le biome Asie. Là, c'est Asie. Et ici, le biome Asie est fini. Et là, on entre enclos Afrique. Le talent du workshop. C'est pas du workshop, ça. C'est le jeu de base. Ça change rien au fait qu'effectivement, bon... Mais... C'est le jeu de base. C'est le DLC sable sur Spider-Man le jeu. Comment ça c'est annulé? Comment ça le DLC? Mais sable, je l'ai déjà. Si je fais ça, ça choque. Ouais, il y a peut-être ça. Il y aurait un autre truc qu'on pourrait mettre au milieu? C'est pas mal. Oh là là, c'est beau, hein. Non. J'ai un souci, j'ai mes visiteurs qui veulent pas rentrer dans mon zoo. Ils font tous demi-tour. T'as bien vérifié si t'as touché à l'entrée, que les panneaux sont dans le bon sens, qu'ils puissent rentrer. Et bah bien sûr d'avoir une route qui rejoint l'ensemble quoi. Alors, bâtiment, construction. Fais voir, du coup, ça, c'est quoi, ça? Attends, fais voir, c'est quoi, ça? Panneau modifiable. Et ça, c'est mur en pissé. Mur en pisé. Admettons. Pisé. Ah ouais! Ah ouais! On aime bien. Donc là, on va cacher cette clôture par les murs comme ça. On va pas mettre ça parce qu'on va pas savoir le poser. Il n'y a pas une structure prête. Non, dommage. J'aurais bien copié-collé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va être obligé de construire nous-mêmes. Hein. Quelle drôle d'idée. Oh non. C'est pas si gênant, ouais. J'essaie de m'en sortir. Mais ils sont où les angles dans l'autre sens là? Elle a pas? Tu mets du feuillage sur les murs. Ouais, on en mettra.
Ah mais vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû mettre l'entrée de porte d'abord. Et faire en fonction de ça après. C'est quoi la diff entre les deux là? Tour de porte empilé. Tour de porte empilé 4 mètres basse. Comprends pas trop, hein. Avec ça, d'accord, ok, en bas. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Faut essayer un truc dans le genre. Y a pas d'association automatique? Extraordinaire. Alors là, on a une structure incroyable, quoi. Attends, quoi? Ils sont du même sens. Même s'ils sont pas du même sens, ils font quand même demi-tour. Hein? Ouais, merci Anto, la diff entre les deux, ouais. J'ai vu, du coup. Merci, merci. Alors, le seul problème, c'est que là, on n'est pas pile poil sur le mur, du coup... Je risque de poser un sushi au niveau point de fuite. Mon avis. Ils vont fuir ici. Le gros lag. Ah, ça fuit pas? Bon, par contre, s'il devait y avoir un petit, ça fuirait. Donc, on va... Dans le doute. Et on va voir s'il saute pas là pour après sauter par-dessus. C'est bon, il y a eu un bug. Ah, ben, parfait. Bonjour Caro, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Meilleur vœu à ceux qui sont arrivés, bien sûr. Eh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On va essayer de trouver des trucs à mettre dessus. Qu'est-ce qu'on voit en déco sur un mur comme ça? Qu'est-ce qu'on voit, genre ça? Ça? Qu'est-ce qu'on voit? Une clôture en haut? Oh, ça pourrait être stylé en vrai. Oh, il pourrait y avoir... Oh, ça pourrait faire un style en vrai. Je le mets. Juste pour le look. Oh, pour une fois, j'ai une idée de construction. Sans avoir copié un truc. C'est beau, c'est pas beau, peu importe. Je le mets.
Ah bah c'est chiant en fait. Ah bah ça va pas au bout. On double. On double, c'est pas gênant. Oh c'est bien. Il y a des, il y a pas de barrière arrondie. Va falloir que je fasse langue moi-même. Parce qu'en vrai derrière t'accroches des trucs dessus hein. Végétation. Oui c'est bien. C'est créatif et c'est très bien même. Ah bah merci beaucoup. Je mets un éléphant. Ah oh ouais l'éléphant qui se court au-dessus. C'est Dumbo. Oh mais après, ah ouais on pourrait mettre des trucs comme ça. Un pneu, on peut mettre un pneu. Volet décoratif. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Hein. Comme j'ai pas d'autre idée. Je pense qu'on va persévérer là-dedans. Bannière de perles. Une bannière ici aussi. Oh, wow. On persévère. On va essayer de faire un angle à peu près correct. Et Non mais attendez. Mais... Oui, mais c'est... Non mais c'est tout mon problème. C'est tout mon problème. Je vous dis, je suis pas un architecte parce que je saurais pas détourner les objets et tout. Je commence un peu à le faire. Puis tout de suite, c'est du génie, quoi. Tout de suite, on arrive à un moment où les gens qui ont l'habitude de le faire se disent « Mince, j'ai jamais eu cette idée. Il est vraiment extraordinaire. » Puis derrière, vous arrêtez de regarder parce que vous êtes jaloux, quoi. Je m'excuse. Je m'excuse. Je peux pas... Je peux pas faire autre chose. Ça, c'est marrant que l'angle soit pas le même. Il a juste posé une barrière sur un mur. Écoute, c'est déjà très bien, hein. Laisse-moi rêver. Je peux plus rien sélectionner. Ah mais il fallait y penser. Hein. Je suis sûr que personne n'y a pensé. Hein. Hey, en vrai, c'est trop beau, quoi. Il va falloir qu'on décore. Mais alors là... Pff, la déco... Est-ce que je prends ça ou pas? J'ai déjà envie de voir ce que ça va donner quand c'est terminé, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est exceptionnel. C'est merveilleux. Non mais regarde-moi ça. Oh là là. Ça mérite une corne de buffle. C'est pas un buffle, c'est pas grave. Bienvenue en enfer. J'ai envie de faire une tête de monstre. Par contre, la suite... Oh, bah attends, mais je crois... Oh, me dis pas... Non. Me dis pas que si je pose ça au-dessus des barrières, c'est pas épique. C'est pas vrai. Me dis pas ça. Oh là là.
Oh là là. Oh. C'est encore mieux. Ce sera encore plus beau si tu changeais la couleur du motif. Pour faire plus apparent, mais tu as déjà pensé et tu comptais le faire à la fin. Quelle couleur de motif? Ça fait trop là. Non, c'est de la jalousie là. C'est de la jalousie. Moi, je pense que c'est pas mal. Oh, c'est bien aligné en plus. Oh oui. C'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Parce que c'est pas aligné et du coup, j'avais la flemme. Alors. Quelle couleur de motif? Ah ouais, on peut changer ça? Ah ouais. Oh, et l'architecte. Du coup, il faudrait une couleur un peu similaire à ça. Comment on fait? Il faudrait un orange plus orange. Plus comme ça. C'est proche, ça, non? Attends. Est-ce qu'on peut sélectionner ça? Et choisir la couleur de ça? Copier. C'était ça? Est-ce qu'on peut faire sur plusieurs murs d'un coup ou Ah non, on peut pas. Ah si, on peut. Oh, c'est bien ça. Ah oui, ça a bien marché. Par contre, des lumières sur le mur. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, il faut que je le décore, hein. C'est en cours de construction, bien évidemment. Et pourquoi ça marche pas? Mais c'est nul, hein. Attends, mais je l'ai copié, ouais. Quoi? Et là, ça... Quoi? Mais... J'ai rien compris. Mais pourquoi on peut pas copier? Parce que tu dois faire entrer quand tu as mis le numéro et ensuite appliquer. Ah, faut faire entrer. Et c'est la même couleur que ça là? Non, c'est la même couleur que ça. C'est pas le même. On n'a pas la couleur de base? Ah non, c'est la couleur de la déco en fait. Oh, c'est nul. Oh mais là, là ça dépasse mon niveau ça. C'est ça quoi. Ouais, c'est ça. C'est moche. Hein. Non mais ça, moi je suis pas, ça je suis pas bon. Moi les couleurs. Oh. Oh, mais... Les couleurs. Je suis pas un colorier, moi. Je suis pas un color mal. Hein. Surtout qu'entre ça et ça, en vrai, bon, c'est orange et orange, quoi. Donc. C'est un peu moche. C'est un peu moche. Il faudrait quoi? Il faudrait. Intérieur en blanc. C'est où blanc? C'est ça blanc? Je sais pas ça. Tu peux mettre des lianes sur les murs. Ouais ouais, mais on va faire de la déco après. Je sais pas les couleurs, j'en sais rien. C'est, enfin tout ce que je fais en couleur, c'est moche.
J'ai aucune idée de quelle couleur va avec quelle couleur. J'ai pas ça, moi. Je sais pas. Je mettrais un blanc clair. Non, mais tu vois, ça, par exemple. Ça, là. Un blanc clair. Pardon, hein. Mais un blanc. C'est blanc. Sinon, c'est du gris. Si c'est pas blanc, si le blanc il est pas clair, c'est que c'est gris. Moi je suis pas, moi les couleurs, c'est une catastrophe. La couleur de base est bien. Ah, celle-là est pas mal en vrai. Celle-là, elle est pas mal, mais ça fait un peu direct, quoi. Direct qui a mal tourné. Vert. F8. C'est-à-dire F8. F8. C'est blanc, ça? Alors, tu le voulais pas là, j'imagine. Mais c'est là que je l'ai mis. Ça, c'est un blanc pur. Ah, c'est blanc, quoi. Ouais, moi, j'ai pas de nuances. Mon cerveau, il a pas les nuances de couleur. En vert, après, hey. Moi j'aime le vert, forcément ça m'attire. Vas-y, ça m'a saoulé. En vrai, on va laisser comme ça. C'est très bien comme ça. On va tout gâcher là. Je faisais un truc exceptionnel. Merveilleux. Je suis en train de tout gâcher. Laissez-moi mettre ma déco. Une branche. Attendez, je tente quelque chose. Faut pas l'accrocher à l'arbre. Genre t'étends ton linge, quoi. Ça, j'aime bien, ça. Ça, je pense que je vais le mettre. Pourquoi aligner sur la surface, ça marche pas? Pourquoi c'est pas dans l'autre sens? Ça, j'aime bien, ça. Un peu de temps en temps, non? Non? Après, tu pars du principe que l'Afrique, c'est coloré, donc mets ce que tu veux, même flashy. Ouais. Je vais le centrer. Ça, c'est beau, ça. La porte est pas centrée. Mais en même temps, on peut pas puisqu'on est sur un mur de deux. Ah oui! Ah ça, c'est bien ça. Voilà. Ça, on sait poser des décos comme ça. C'est les boucliers, on sait faire ça.
Un panneau en ronde. Un lampadaire. Écoutez, là, seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous inspirer pas de ce que je fais. Là, vous allez découvrir que je ne vous mens pas quand je vous dis que architecture, je sais pas faire. Parce que je sais pas mettre les pièces qui vont ajouter le petit plus. Où tu te dis, waouh, sympa. C'est beau, hein? En vrai. Tu peux mettre des fenêtres dans les murs. Bah non, c'est pas une maison, quoi. J'avoue, si une gorille passe par la fenêtre... bonjour, Ilou, comment vas-tu? Meilleur vœu à toi, bien sûr, merci beaucoup. Non, je sais pas quoi mettre. Un Wimba? Oh, un arbre à saucisse, hein. On peut mettre un arbre à saucisse au sommet de l'arbre. Oh, ça a son charme en plus, hein. C'est dommage qu'il se mette comme ça. Oh. Bon, en vrai, c'est bien, non? Si, ça va. Franchement, j'aurais jamais pensé déjà mettre autant de déco. Pour pas que ça vole, quoi. Voilà. On a fait un joli mur. On a fait un joli mur. Et on va pas le dupliquer parce que... Parce que voilà. Hein. Tiens, si tu veux un petit bac de boutique, j'en ai fait un il y a pas longtemps sur Afrique. Non, il y a pas de boutique ici. Il y a pas la place. Parce que en fait, tu rentres enclos, tu sors Amérique du Sud. Du coup, c'est vraiment juste l'entrée, quoi. On va faire du coup la même chose en face pour enlever ce mur. Mais on va basculer sur la construction Asie. Thèbes. Asie. Hop. Et Asie, j'ai une idée. Asie, j'ai une idée. En plus, Asie, t'as un côté un peu rempart. Qui est du coup assez sympa. On va mettre un mur. On va faire un mur, genre... Muraille de Chine, quoi. Ni plus ni moins. Tu peux poser des fleurs au pied du mur, comme tu dis, comme t'as dit. Pose des fleurs au pied du mur. Ah ouais. Attends, bien vu. Bien vu. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on l'enlève. Hein. Pas grand-chose de folichon. Hein.
Si, c'est pas si mal en vrai. Oh là c'est bon. Moi j'aime pas du tout la couleur. Mais ça passe encore quoi. Bonsoir Ferox, je vois que ça avance bien cette affaire. Bah écoute, on fait ce qu'on peut quoi. Alors. Ta-da-da-da. Parce que toi, typiquement, là, tu mets juste ça en haut, là. Tu mets juste ça en haut et c'est bon, le mur est déco. Hein. C'est pas du jeu. Hein. C'est où le mur Ah, c'est que celui-là? Bon, bah, on va mettre celui-là. Hein. Attends, il est où? Je l'ai perdu. Merde. Là. Ah, mais le mieux, ce serait l'autre quand même. Il est où l'autre là? Là, je voyais que lui, là. Une île Europe alors Europe oui et non, on va faire tempérer quoi. Là, on est bloqué. Pas d'autre ongle. Il n'y a pas d'autre ongle. Dommage, ça arrive sur la route. Pour pas grand chose en plus. Y a pas un pilier ?
Que c'est moche. Diminue la taille de la grille. Ah ouais, on peut faire ça. Mais ça changerait quelque chose sur... sur l'emplacement. Ça change rien. Attends ça. Oh trop bien. Merci. Katash, bienvenue à toi. Ah ouais, la taille de la grille, ça change tout. Wow, incroyable. Ok. Ça t'est déjà arrivé de te refaire connaître dans la rue? Non. Heureusement. J'en ai pas trop envie, hein. C'est pas un rêve, hein. Oh, attends, comment ça se fait que ça s'est posé là, là? Merci beaucoup, Flossoyo pour le Prime. Merci à toi pour ton soutien. Merci beaucoup. Bonne année, meilleurs vœux. Et bonjour, Endoraptor. Ah, c'est dommage que ça se mette pas naturellement. T'es obligé d'avoir ça derrière, là? Parce que ça rend bien, ça, là. Pas non plus faire un vrai rempart. C'est pas le but. Y a pas moyen de... Let's go la quête du Mosasaur. Eh, on va essayer. Y a pas des pros en architecture, là? Planète Zoo. Est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte qu'il y ait ce coin-là, ce bord-là, qui est sympa, j'aime bien. Mais sans le truc derrière. C'est au-dessus, tu vois, ce serait bien au-dessus. Mais non, quoi. Ah, bah, il y a des piliers là aussi. Bonjour Hugo, comment vas-tu? En vrai, le Mosa, c'est pas dur si je suis déjà à 14. Non, bien sûr, il faut juste jouer, quoi. Mais il faut jouer. J'ai presque envie de mettre ça. J'ai presque envie de juste mettre ça. Ça, c'est trop grand. Il y aurait un entre-deux, ce serait pas mal, mais... bonjour, Taïlagis. Au pire, tu caches le truc derrière en mettant des feuillages. On pourrait. Après, le problème, c'est qu'il y a, ça, y a pas les angles, quoi.
C'est quoi le truc des levels que le bot a affiché, je comprends pas. C'est juste que quand t'es présent, tu gagnes des niveaux. Voilà. Quand t'es présent sur le live. J'ai entendu ton appel, mais j'étais occupé, c'est quoi le souci? Non, le truc, c'est... J'aime bien ça, là. Ça le fait plus. J'aime bien ça, là. C'est ce qui apparaît derrière, là. Je sais pas comment le faire apparaître sans que bah, y ait ce truc-là derrière, quoi. Après, on peut effectivement... Même à la limite, on peut même laisser comme ça. Hein. C'est pas si choquant. Par contre, le haut, là, c'est un problème. Donc ça, on pourrait potentiellement mettre ce mur-là, du coup. En haut. Oh, mais t'as le don de te mettre à des endroits, je te demande pas là, quoi. Pas si mal. Pas si mal. Après, ici, il faudrait qu'on trouve quelque chose, mais au final, il n'y a rien d'arrondi à part le mur, quoi. Ah si, ils sont là. Corniche en tuiles. Ah merde, c'est moche. Y a pas l'autre version. Pourquoi y a pas l'autre version? Pourquoi y a pas ça mais arrondi? Faites pas d'efforts les gars quand même. Hein. Ça te coûtait quoi de nous le filer en arrondi? Sélectionne les rampes que tu viens de mettre et tu la dissocies du groupe et tu la descends. Oh. Ah, du coup, t'as quand même... c'est quand même un peu visible. C'est ça que tu veux dire? Et le mur en angle, sinon. Ouais, mais c'est pas beau. Non, bah... Si c'était ça que tu voulais dire, l'idée est intéressante, mais comme derrière, je peux pas terraformer. Je vais laisser comme ça, ça fait une petite entrée. C'est mieux que tu peux faire, ok. Non, mais si tu peux terraformer derrière, c'est pas mal, mais bon, là, je peux pas, donc... construction. C'est toujours ça. Ah ouais, alors attends. Je peux pas te mettre... Du coup, faudrait que je te décale toi en fait.
ouais. Prends l'autre couleur de ton mur pour les arrondir. Comment ça, prends l'autre couleur de ton mur? L'autre couleur de mon mur. Tu veux que je change ce mur-là par celui-là, tu veux dire? Parce que moi, j'aime bien le côté que ce soit... ça donne le côté que c'est fini, quoi. Corniche, argile, arrondie, peinte. Ah, mais je suis pas en Asie. Ah, je veux cette... Non, mais ça va, en vrai. Je pense que ça va. Là, il va juste falloir que je décolle. Enfin, que... Que je décale ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal comme ça. Comment ça, tu veux pas te mettre... Tu veux pas te mettre au cran d'à côté comme celui-ci là. Why? Est-ce que tu penses que quand on fait l'architecte, on prend uniquement les objets du continent? Bah bien sûr que non, mais moi oui. Et je suis sur la même grille, pourquoi je peux pas? J'ai... Ça a écarté là? Bah c'est bon là, pourquoi je peux pas en face? Coller un mur, ça, enfin l'ensemble, ce sera plus simple. Voilà. Ça fera l'affaire. Tu te mets des obstacles tout seul, mais let's go. Bah bien sûr. Alors, ah mais du coup c'est les murs arrondis. Ah ouais, ça va être un peu galère ça. En vrai, de toute façon, le mur il est déjà pas mal comme ça. Si ça fait un mur un peu... Ça fait mur un peu rempart, entre guillemets. Tu vois, on n'y voit pas trop de déco, forcément. Je vais plus décorer le pied. Je vais plus décorer le pied, je pense. Les arrondis blancs, il y a les mêmes en pierre grise. Je sais, mais j'aime bien. Vous aimez pas? En pierre comme ça, là, vous voulez dire? Le haut, le même, exactement? Attendez. Parce que ça, c'est pas le même. Parce que c'est ça, moi. Au final, c'est pierre sèche. Arrondie.
Bah non, mais c'est la même chose. Non, y a pas. Y a pas ce que je recherche. Laisse tomber, Ferro, si tu veux pas m'écouter. Mais non, mais... Après, c'est ton zoo, je pensais juste que tu le savais pas. Mais non, mais... Quoi? Y a pas ça. Y'a ou y'a pas? Y'a pas! Y'a pas le petit truc blanc en haut là. Qui ferme entre guillemets. En arrondi. Y'a pas? Du coup, vu qu'y'a pas. Bah, j'ai mis comme ça. Parce que sinon, ça fait pas fermer, entre guillemets. Je peux changer la couleur des murs. Non, on peut pas. On peut pas. Non, non, juste comme le mur. Ah ouais, voilà. Le problème, c'est que s'il y a comme le mur, enfin, ça fait pas fini, quoi. Je trouve. Tu vois, il manque quelque chose. Alors que là, ça fait fini. Non? Tu veux la même finition? Non, il n'y a pas. Non, mais d'accord, ok. Ok, ok. Bon. On n'en fera pas beaucoup, hein, de la construction. Alors, attendez. Petite sculpture ici, tiens. Hop. La route, on pourrait presque la modifier. Pour que ça fasse un semblant comme ça. Oula, trop large, hein. Ça. Pas mal. C'est quoi comme animal? Ça, c'est un dragon. Où est-ce que c'est? Là. Pa-da-pa-pa-pa. Bon après s'il y a une petite charrette quoi. Poser une petite charrette. On peut poser une petite charrette et voilà hein. Panier. Et après ça va être de la déco plante hein. De toute façon moi je sais que déco avec des plantes alors hein. Ou décoration là. D'accord. Ah, il y a pas grand-chose. Il y a une barque. Un seau. Bonjour Axmoul. Des fleurs encore et toujours. Ouais ouais, ça va être des fleurs. Hein. Ça va être des fleurs. En Asie, je crois qu'on a un peu plus de choix. Ah non, c'est pas là.
Ah, on a du choix. Ici, ça fait pas fermer. C'est où les piliers? Axe roue à aube. Poutre brute en bois. Elle est un peu massive. Pas moins large que ça. Et en bois, c'est un peu surprenant. Parce qu'on n'a pas de bois dans la construction. Mais elles sont immenses, vos trucs. Celle-là, elle est pas si mal. Je vais mettre celle-là. C'est pas fou, mais on va laisser comme ça. Bonjour Bubuff, comment vas-tu? Mais une tour comme dans Planet Coaster. Ouais, j'ai pas la place. J'ai pas la place. Il y a la route, il y a l'enclos. J'aurais dû y penser avant. Mais de toute façon, des structures Asie, on en refera. Hein. Faudra y penser à ce moment-là. Oh bah tiens, cette plante-là qu'on s'est pas trop posée. Hop. Être l'occasion. Hop. Et hop. Incroyable. Au final, on pourrait presque mettre ça, hein. Bon. De toute façon, ici, il y aura de la déco. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, de ce côté-ci, ça fait bizarre. Est-ce que... Est-ce que si je mets ça de chaque côté, c'est étrange? Ça, c'est une question... C'est une question qui mérite d'être testée. Oh non, ça fait même très joli. Ça fait presque entrée de petits jardins et tout. Ah, c'est sympa. En vrai, non. Ouais, ça va, j'aime bien. Ah, ah ouais, alors, par contre... On aurait dû y penser avant. On peut pas le poser là.
ça, ça va, c'est pas bien là. Ça rend pas mal. On va mettre pareil ici du coup. Et le, la tour, je vais la supprimer du coin. La tour, je vais la supprimer du coin, elle va finir en haut. On va mettre un truc comme ça à peu près. Voilà. T'as pas mis des pandas géants avec dans ta zone Asie? Non, bah non, c'est pas tropical. C'est la zone Asie tropicale. Non, ça rend bien. C'est pas mal en vrai. Bon, du coup, là-bas, ça fait un peu vide. On va mettre un peu d'arbre. On va mettre un petit arbre. On va mettre un petit arbre, un petit tamarinier. Hein, ça va bien remplir. Hop. Avec quelques plantes au pied. Et petit caillou. Voilà. Très bien. Bon. La tour, on la voit pas en haut. Tout va bien. C'est pas si mal, non? Quelle heure est-il? On va faire une petite pause pour le replay.